Bonjour, aujourd'hui nous sommes chez Anne-Sophie du blog Les Moustachous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors on était pressés de venir chez toi. C'est Céline Malotrésor qui nous avait conseillé de venir parce que tu es une grande adepte du vintage. Oui, Céline, c'est une amie. On a tenu des stands ensemble sur des brocantes. On chine ensemble de temps en temps. Donc on a un univers qui... Vous avez cette même passion pour la Chine. Et alors tu vas souvent dans les brocantes ou plutôt sur Internet? Je fais un petit peu les deux, mais c'est vrai que la brocante, la promenade du dimanche, c'est vraiment notre truc. On essaye d'y aller si on peut au moins le dimanche. Et tu te lèves tôt le matin? Tu t'es organisée ou tu vas un peu le nez au vent? On aime bien y aller de bonne heure. C'est vrai qu'on a l'impression qu'après 7 heures, on va louper des choses, donc on se lève souvent de très très bonne heure. Pour être la première sur le coup. Ouais. Et tu customises un petit peu ce que tu trouves, tu repeins En général, non, les meubles, j'aime bien qu'ils soient avec leur matériau d'origine, la peinture d'origine. Après, ça peut m'arriver, comme cette table, le plateau était complètement pourri et j'adorais le piétement en métal, donc on a juste refait tailler de la même forme dans du chêne le plateau. C'est plus dans ce sens-là. À présent, nous sommes dans votre chambre, la chambre parentale, mais il y a un petit berceau pour la petite dernière. Ellie, tu as arrangé un petit coin du coup? Oui, on a essayé de lui faire son petit espace à elle. Pour l'instant, elle est encore avec nous, elle va bientôt rejoindre son frère. Et j'essaye de lui faire une petite déco éphémère, je vais pouvoir décrocher facilement. Tous les mois, je me suis donné pour but de lui faire une nouvelle guirlande en papier découpé. Ouais. Parce que toi, tu fais beaucoup de DIY, des ateliers, tu organises des ateliers, tu fais des DIY pour les marques. Oui, je travaille pour diverses marques, surtout pour les enfants. Mmh. Et j'essaie aussi de proposer sur mon blog, sur Self, toujours axé pour les enfants. On ira les voir. Ici, nous sommes dans la chambre des enfants et on retrouve ce même esprit vintage, chiné. Cette petite cuisinière, tu l'as chinée? Non, cette petite cuisinière, on l'a fabriquée. Je l'avais dessinée pour les 3 ans d'Anatole et c'est son grand-père qui l'a fabriquée. On a aussi, par contre, chiné tout ce qui est dinette et petits éléments pour jouer. Les petits accessoires et du coup là je vois la petite bassine, les petits boutons, oui. En fait c'est des éléments qu'on a rajoutés, les petits boutons, en fait c'est des boutons en céramique, des interrupteurs. D'accord. L'évier c'est une petite bassine qu'une copine m'a chinée. Le rideau c'est vient d'un vieux drap qui était chez les grands-parents de mon compagnon. Ça, ce sont des boutons de porte, une patère. Oui, ça, c'est une patère qu'on a mis à l'envers. Très bien pensé, c'est très joli. Merci Anne-Sophie pour cette visite. C'était avec plaisir. Retrouvez l'intégralité du home tour vintage d'Anne-Sophie sur le blog. Et pour ne rater aucun des prochains home tours, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter et à notre chaîne YouTube. Au revoir, à bientôt.